remonte. Donc les basketteurs sont des personnes très grandes. Ils passent leur temps à sauter. Pour mieux rebondir. Aussi, il semblerait que si la Terre est légèrement plate, ce soit peut-être dû au fait qu'avec leurs grands pieds, par force de rebond, les basketteurs envoyés toujours par Dieu sur Terre contraignent la Terre, prise en métaux, entre Atlas, d'accord, et le basketteur. Sous cette pression, logiquement, c'est pression. D'ailleurs, on peut observer certains phénomènes qui font que la Terre finit par craquer. Sous la pression. Donc voilà, donc, effectivement, on se demande vraiment à quel point les basketteurs ont été envoyés par Dieu. Un autre élément nous renvoie vers ça, le panier de basket. Le fameux panier de basket qui, à l'origine, était, selon certains, un panier de cuisine troué, selon d'autres, une caisse à pêche, une main à pomme percée. Le panier de basket, avec son orifice, ne vous ferait-il pas penser à une auréole? Donc les dieux vivants du sport, on ne fait pas une. Mais en même temps, un autre élément, le panier de basket est constitué d'un trou. Ce même trou, dans l'univers, nous le retrouvons dans ces fameux trous noirs. Qui, je vous le rappelle, sont des lieux antigravitationnels. Ce qui nous renvoie forcément à lui et à Jésus.